Bienvenue devant la nouvelle base logistique de Saint-Lenoble. Cette construction de taille exceptionnelle est le fruit d'une étroite collaboration entre le groupe Bilsdoro et le groupe Jiffy. Ce magnifique bâtiment aux couleurs de ses créateurs est entouré de verdure et se trouve proche d'infrastructures routières. Un lieu idéal pour développer une logistique moderne et respectueuse de l'environnement. Avant de vous parler de la genèse du projet, de l'idée de ses fondateurs, revenons sur l'histoire de ce site très connu dans le Douaisis avec Jacques Bils. Ce site appartenait au Charbonnage de France. Il a été racheté par la maison Bils, représentée par moi-même, en 1986 pour la partie rose, 87 pour la partie jaune et 88 pour la partie bleue. Sur ce site étaient installées deux centrales électriques qui fonctionnaient au charbon, alimentées donc par les sites miniers de la région. Cette électricité était destinée au site industriel des Charbonnages de France et en partie la grande paroisse de Oisier. Donc vous pouvez voir ici la plantation telle qu'elle était à l'origine, l'ancienne centrale, la nouvelle fabriquée avec le plan Marshall, les deux tours de réfrigération et les bassins de refroidissement, et le plan avec les voies ferrées. Le charbon arrivait par train, il était déchargé et il partait dans les centrales qui fabriquaient donc cette électricité. Ces sites ont petit à petit disparu avec la fin des charbonnages. En 1990, le dernier puits du Nord-Pas-de-Calais a fermé, c'était celui de Oigny. Et nous-mêmes étions en manque de place pour nos activités transport. Et quand j'ai su que c'était à vendre, j'ai sauté sur l'occasion. Il faut savoir qu'avant d'arriver sur ce site, nous y sommes rentrés le 15 février 1987. Nous étions donc le siège et toute l'activité se trouvait à Oisier, 116 rue Célestin-Dubois, et c'était devenu trop petit. Nous manquions de place et il nous fallait absolument trouver des mètres carrés. Nous avons acheté la fosse Notre-Dame en face pour au départ garer les camions, mais comme nous avons construit 15 000 mètres carrés de bâtiment, le site était de nouveau devenu trop petit. Et quand j'ai eu l'occasion d'acheter ici, c'était au départ pour y mettre les camions, le temps de réfléchir, donc nous avons fait des parkings, agrandi les bureaux, transféré notre siège social. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce bâtiment a été construit sur une friche industrielle. Aucun centimètre carré n'a été pris au monde agricole. Et il est entouré d'arbres, il est invisible. Aucune perturbation visuelle, sonore, ni quoi que ce soit. La construction de ce bâtiment est le résultat d'une coopération entre Jiffy et Bilsdoro datant des années 2000. Et c'est au fil des années qu'a germé l'idée commune de bâtir cette base logistique, comme nous l'explique Jimmy Bils. La collaboration entre Jiffy et le groupe Bilsdoro a démarré en 2006 pour effectuer, à l'époque, la logistique et la distribution d'environ 120 magasins dans le grand quart nord-est de la France, y compris les magasins du Benelux. En 2008, l'entrepôt de Coincy, de 12 500 m², s'est avéré trop petit, compte tenu de l'expansion de Jiffy. En accord avec Michel Javadi, en août 2009, nous avons donc transféré l'activité des opérations publicitaires de Coincy à Lovin-Planck, dans un bâtiment neuf de 30 000 m², partagé avec un autre client,
la société Decathlon. Face à une activité logistique toujours plus forte, avec l'ouverture de 20 à 25 nouveaux magasins par an, Simastock met à disposition de Jiffy des entrepôts de débord entre 2009 et 2011, le bâtiment de Louvain-Planque s'avérant insuffisant. Force est de constater que de 2006 à 2011, le besoin de surface de stockage de Jiffy est passé de 12 500 m² à 50 000 m² pour la logistique Nord de France. Face à cet accroissement de ses besoins de surface logistique, Philippe Ginesté nous a fait part de sa volonté de construire son propre entrepôt dans le Nord à moyen terme. Disposant d'un magnifique terrain de 40 hectares à Saint-Lenoble, idéalement situé au bord des autoroutes A21, A1 et A2, nous proposons à Michel Djevadi d'en parler à Philippe Ginesté. Un rendez-vous est pris à Paris en février 2010 avec mon père Jacques Bils, Michel Djevadi et Philippe Ginesté. Quelle belle histoire! C'est l'histoire de quatre hommes qui se rencontrent. Quatre hommes qui ont besoin les uns des autres. Monsieur Bils, père. Monsieur Bils, fils. Michel Djevadi et moi-même, Philippe Ginesté. Nous avons envie de se transmettre notre savoir-faire. C'est la complémentarité du savoir-faire qui nous permet d'avancer ensemble. Et puis, nous avons créé ensemble, dès le début, 45 000 m² de dépôt. Et puis ce repas à Paris, où nous faisons un petit point, où nous sommes heureux de savoir ce que nous avons déjà réalisé. Et cette idée qui vient de construire un grand dépôt. Et celui-ci, eh bien, il fera 75 000 m². Il fera 400 mètres de long. Et puis on pourra entreposer 90 000 palettes. Et ce qui est beau, c'est qu'on a pris cette décision et on s'est frappé dans la main, tous les quatre. C'est tout ce que nous avons fait ensemble. Et quand j'arrive ici aujourd'hui, 5 ans après, et que je vois cette réalisation, ce magnifique dépôt, puis je dois le dire aussi, ces équipes qui m'ont accueilli, qui sont très attentionnés, qui sont passionnés par leur métier. Des rencontres comme celle-ci, je veux continuer à en faire tous les jours. Et puis ce dont je suis certain, c'est qu'on n'est qu'au début de notre aventure. Parce que quand on se fait confiance, eh bien on a envie de continuer à faire plein de choses ensemble. Et je ferai tout pour continuer à ce que notre aventure soit de plus en plus belle. Le bâtiment de Saint-Lenoble, ben, c'est en plein centre du Douaisis, hein, en premier, et puis en plein cœur de l'Europe du Nord. C'est notre choix premier. Et par la suite, bien sûr, notre partenaire, Simastock, le groupe Bils, la famille Bils, qui a un partenariat fort avec un site, on va dire, qui est un barycentre européen du Nord, par lequel nous voulons véritablement concentrer nos flux venant d'Anvers ou du Havre, principalement. Le rôle de ce bâtiment est avant tout un rôle de concentration de tous les flux venant de l'Asie et de l'Europe du Nord pour pouvoir être éclaté sur la France métropolitaine et dans certains cas pour pouvoir servir nos concessionnaires extérieurs qui repartent depuis la France ou depuis le Nord-Europe vers les Dom-Tom par exemple. C'est par ici que nous avons nos concessionnaires à l'état actuel. Après l'idée de départ et la période de réflexion, il a fallu passer à la phase des études et des autorisations. Christian Thème, l'ancien maire de Saint-Lenoble, a largement soutenu ce projet monumental lors de son mandat. Ce qui me séduit dans ce projet présenté par Jimmy Bils, premièrement, c'est la reconversion de cette friche. Elle est indéniable. Pour vous dire, moi j'ai habité pendant 23 ans à côté de cette friche industrielle. J'ai connu, quand je suis arrivé en 84, ces deux fameuses cheminées de l'ancienne centrale thermique, dynamitée depuis bien sûr, avec sa pollution, avec ses crassiers. Aujourd'hui, ce site va retrouver un vrai statut, avec une entrée d'une à proximité de la rocade, qui va bénéficier, ce site va bénéficier de,
des dernières réglementations en termes d'environnement. Donc c'est un projet qui respecte totalement le milieu environnemental. L'intérêt, évidemment, en tant que maire, hein, pour ce projet, c'est avant tout l'activité économique, bien sûr. Hein, Salles-les-Nobles est assez pauvre en activité économique, et donc c'est une bonne opportunité, notamment sur ce terrain assez vaste. En tout cas, en tant que maire, je suis très favorable à l'implantation de cette plateforme logistique sur le territoire de Salles-les-Nobles, sur une ancienne friche industrielle, et de surcroît polluée. Pour la phase étude, le démarrage des travaux et le suivi du chantier, c'est à Grégoire Boeuf que la direction du groupe Bils d'Euro a confié ses missions. J'ai participé au projet depuis la réalisation du dossier de demande d'autorisation d'exploiter, c'est-à-dire depuis presque son origine. J'ai été en charge de la coordination et également de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le propriétaire, pour notre client et également pour nos exploitants. Notre envie de perfectionner l'outil de travail nous a amené à apporter des améliorations tout au long de la phase des travaux. Dans l'objectif de livrer à notre client Jiffy et à nos exploitants une plateforme réussie et fonctionnelle. Il y a eu des moments de crainte avec les périodes pluvieuses et hivernales qui ont été suivies de bonnes conditions météo, d'une accélération du planning et également d'une livraison du bâtiment dans les délais attendus. C'est en juillet 2013, sur la friche de l'ancienne centrale électrique bien connue des habitants de Salles-les-Nobles, que les travaux ont commencé. Après les démolitions et le déblayage réalisés par les équipes de GSE et de Bils d'Euro, c'est le constructeur GSE qui a mené de A à Z la construction de la base logistique. C'est Guillaume Azlard, ingénieur d'affaires, qui nous replonge mois après mois dans cette impressionnante aventure. Nous venons de terminer la plateforme bâtiment. Donc nous avons terminé l'empierrement des 100% de la 100% de la plateforme. Et ce que nous sommes en train de réaliser, c'est l'étape qui va permettre de démarrer dans la foulée du compactage les fondations. Il faut savoir que la quasi-totalité de la plateforme est réalisée en matériaux extraits du site, qui sont des matériaux qu'on met en œuvre très difficilement en remblé. Donc pour pouvoir obtenir une portance suffisante pour pouvoir ériger les futures fondations, nous sommes obligés de venir renforcer le sol. Le principe, c'est qu'on compacte le sol à l'aide d'une masse de 17 tonnes qui est lâchée d'une vingtaine de mètres de hauteur et qui, en venant s'écraser sur le sol, compacte le sol sous les futures fondations. Nous sommes sur la voirie nord du futur bâtiment, du futur projet. Et il faut savoir qu'au niveau de toute cette zone nord, nous aurons un futur espace vert qui est actuellement occupé par toutes les terres que nous avons sorties des blés et des purges de la plateforme. Sur votre droite, vous avez l'atelier de concassage. Ce que nous avons réalisé, c'est que nous avons démoli toutes les voiries et les bâtiments existants. Nous les avons concassés par l'intermédiaire du concasseur qui est là-bas. Donc, l'avantage de cette technique, c'est que ça nous permet de réutiliser d'une part les matériaux qui étaient sur le site. Donc il y a un double intérêt à la fois écologique et économique, puisque ça nous permet d'éviter de rapporter des matériaux sains issus de carrières ou d'autres chantiers. Les ouvriers sont en train de réaliser les futures fondations des quais du bâtiment. Donc le principe des fondations, c'est qu'on réalise une fouille dans le sol, c'est une excavation dans laquelle on vient retirer les terres. Les maçons sont en train de couler les fondations. Donc après avoir réalisé les excavations, les terrassements qu'on a pu voir tout à l'heure, les ferrailles ont été positionnées et implantées par un géomètre. Donc les ferrailles qui dépassent, ce sont les ferrailles qui vont accueillir les futurs poteaux. Et comme vous le voyez, on est en train de remplir les fondations de béton armé. Donc c'est ce qui va permettre de venir lester, d'asseoir les futurs poteaux en béton. Nous sommes en train d'assister au levage du poteau. Pour pouvoir le lever, alors avant, il y a tout un système de mise en place et de taiement pour pouvoir tenir le poteau en définitive. Donc les charpentiers béton ont d'abord posé les deux énormes lestes qui serviront à tenir le poteau en face provisoire. On l'a attaché au sol à la tige métallique qui sert à suspendre le poteau par les chaînes. Donc là, le poteau a été levé et les charpentiers béton vont venir l'assembler sur les tiges d'ancrage des fondations qui sont actuellement en attente. Donc là, la grue va soulever le poteau et les charpentiers vont l'encastrer dessus. Nous sommes en train de réaliser les enrobés des futurs quais nord de l'entrepôt. L'entreprise est en train de couler les enrobés et après les avoir coulés, nous les compactons
pour pouvoir obtenir les performances utiles pour faire circuler les poids lourds à terme sur la plateforme. Le site est prévu pour pouvoir accueillir jusqu'à 250 poids lourds par jour et on aura 6 zones de quai. Nous sommes en train de poser le bardage de la file 29, c'est l'extrémité est du bâtiment. Les bardeurs ont d'abord commencé par poser les plateaux en acier galvanisé, c'est le support du bardage. Ils ont ensuite posé l'isolant, c'est en laine de roche qui assure l'isolation thermique du bâtiment. Et là, ils sont en train de poser actuellement la peau de finition. C'est la peau extérieure, c'est celle qui va résister aux intempéries et qui donne l'aspect esthétique du bâtiment. Nous sommes sur la cellule 6 du futur entrepôt. L'entreprise de couverture est en train de fixer la première peau d'étanchéité de la toiture. Il faut savoir que la toiture est composée de plusieurs éléments. Une première partie qui est un bac en acier galvanisé. Une seconde qui est un isolant en laine de roche, c'est sur l'isolant jaune qu'on peut voir posé, qui est fixé sur la couverture. Et de deux couches d'étanchéité. Donc une première couche que l'entreprise est en train de poser et une seconde couche qui viendra parfaire l'étanchéité et protéger la première peau des attaques des intempéries. Nous sommes chargés par la société GSE de la protection incendie du site Bilzerot qui concerne la montée de la tuyauterie pour tout ce qui est le sprinkler. Actuellement, nous sommes en train d'installer des antennes comme vous pouvez voir derrière vous et les alimentations principales du réseau. Ça sert en cas de départ de feu, ça sert à éteindre le feu ou le contenir. Ici, en l'occurrence, l'éteindre. Nous sommes dans la cellule numéro 6. Nous avons commencé les travaux de réalisation des dallages du bâtiment. Il faut savoir que les dallages, pour nous, dans notre métier de la construction, c'est une des phases les plus importantes et les plus cruciales, puisque le dallage, c'est l'outil qui va servir à la société Bilzerot pour pouvoir exploiter correctement son bâtiment. Le processus de coulage des dallages est composé de plusieurs étapes. Une première étape où le béton qui a été préparé à l'extérieur du site, qui a été fibré et liquéfié, est coulé et versé directement sur la plateforme du bâtiment. La seconde étape correspond au nivellement de la dalle et qu'on fait passer une règle vibrante qui est réglée au laser et qui nous permet en fait d'obtenir un dallage plan sur l'intégralité de la surface. Et la troisième phase correspond à l'ajout de quartz et au lissage de la dalle pour avoir une surface complètement lisse et sans défaut pour la circulation des engins. Les dallagistes qu'on peut voir sont en train de lisser la dalle de la future station de service. À cet endroit-ci, on peut voir là, au milieu se situe la zone d'attente qui accueillera le massif de fondation de l'auvent de protection de la station service. Et là, les dallagistes sont vraiment en train de finir de. Enfin, au bord, sont en train de terminer le coulage et au fond, de lisser la dalle pour qu'elle soit travailler la forme de pente et le lissage. Nous sommes dans le local sprinkler. Il s'agit du cœur du système de protection incendie de l'entrepôt. C'est d'ici qu'en cas d'incendie va partir l'eau qui va servir à éteindre l'incendie dans le bâtiment. Donc les deux groupes autopompes que nous voyons ici sont prévus pour fonctionner l'un à part de l'autre. Un des deux groupes autopompes est en secours du premier. Nous avons deux cuves de 1200 m3 chacune situées à l'extérieur du bâtiment qui sont remplies d'eau. Et en cas de sinistre ou d'incendie, les 1200 m3 d'eau vont être envoyés en l'espace de 2 heures dans les cellules pour éteindre le feu. Nous sommes au niveau de la voirie de contournement nord du bâtiment. Comme vous pouvez le voir, la façade est entièrement terminée. Tous les équipements de quai, autodoc et sas de quai ont été positionnés. Il nous reste actuellement à terminer sur cette zone le tapis d'enrobé final, la borduration. Nous sommes en train de réaliser un merlon acoustique. Ce n'est qu'un merlon qui est réalisé en matériaux naturels issus de sites extérieurs. Cet écran a pour vocation de protéger les riverains du bruit qui sera engendré par la circulation des poids lourds à l'intérieur du site. Le bâtiment et toute la zone extérieure sont maintenant en fonction pour les clients de Bilzerot, comme Jiffy entre autres. Il est géré par Simastock, l'entreprise du groupe spécialisée dans la logistique. Faisons ensemble un tour d'horizon des différentes utilisations et des missions du site dénommé Saint-Roger. On confie à Simastock et Steel un outil formidable,
un site qui représente une réelle valeur ajoutée, tant au niveau des offres en transport qu'en logistique, et ce vis-à-vis de nos clients existants et futurs. Notre site de Saint-Lenoble, d'une surface de 75 000 m², est avant tout un site multimétier. La logistique, avec des clients de la grande distribution, agroalimentaire, produits classés, activités de cross-docking. Le transport, avec la distribution, le stockage de conteneurs, le service, station de lavage, carburant et garage. Et ce, avec tous les services associés présents sur le site. Je tiens personnellement à remercier notre client Jiffy, qui nous fait confiance depuis 2005. Pour finir, je remercie également l'ensemble de nos équipes opérationnelles qui, au quotidien, sont au service de nos clients. Je suis directeur d'exploitation logistique pour le groupe Jiffy. J'ai assuré le suivi du chantier gros œuvre de ce bâtiment, des fondations à la livraison. Mais ma mission principale était d'équiper ce site de production en infrastructures de stockage, conformément à nos besoins d'exploitation, dans le respect des réglementations en vigueur. Nous sommes sur un bâtiment de 74 000 m², divisé en 13 cellules autonomes. 67 portes de quai permettront d'accueillir en réception comme en expédition 150 véhicules par jour. Nous pourrons préparer les commandes en éclatement et en picking pour nos 280 magasins de la moitié nord de la France. Je tiens à remercier Philippe et Alexandre Ginesté, ainsi que Michel Javadi, pour la confiance qu'ils m'ont accordée sur ce dossier. Je remercie également Jacques et Jimmy Bills, ainsi que toute leur équipe, pour le soutien qu'ils m'ont apporté dans mon quotidien pendant plus d'une année. Steel est composé de 136 salariés. Fait rouler 110 poids lourds avec informatique embarquée sur deux agences, une récemment ouverte dans le parc de l'activité de l'ESCO face à Toyota, liée à l'automobile, et la seconde au siège de l'entreprise à Saint-Lenoble. La construction du nouvel entrepôt nous a permis d'obtenir une nouvelle zone transport avec un accès direct à la rocade. Un parking poids lourd, macadamisé, clôturé et sécurisé. Une station carburant, un lavage poids lourd industriel, un atelier de contrôle. Cet atelier de contrôle est équipé de deux travées avec fosse, une pour les petites réparations carrosserie et l'autre pour le contrôle des organes de sécurité sur nos poids lourds. Nos véhicules entrant sur notre site doivent obligatoirement passer au contrôle afin d'y contrôler les organes de sécurité, déceler d'éventuelles pannes sur route, afin d'éviter des risques pour notre personnel, des frais et de la non-qualité chez nos clients. Dernier point, la proximité entre la zone transport et notre logistique est un atout majeur en termes de réactivité pour les activités Steel et Simastock. Ce bâtiment dernière génération nous permettra, avec l'ensemble de nos équipes, la commercialisation de prestations telles que contrôle technique poids lourd, tous travaux de carrosserie, vente de carburant, lavage poids lourd, le stationnement sur parking gardienné en H24 agréé assurance, formalités douanières, dépannage 24-24, vente et montage de pneumatiques. Notre objectif est de proposer des solutions efficaces répondant aux besoins de l'ensemble des utilisateurs de véhicules poids lourds. Cette extraordinaire base logistique fait l'admiration de l'ensemble des collaborateurs de Bills d'Euro et de Jiffy, à l'instar d'élus et de personnalités de la région, comme l'attestent ces témoignages recueillis lors de la plantation du premier arbre du site en juin 2014. Un ginkgo biloba appelé l'arbre aux 40 écus ou l'abricotier d'argent. C'est une très très belle plateforme, 72 000 m² surtout sur une friche. Moi je trouve que c'est un,
un très bon plan réalisé par la famille Bills dans sa globalité, je veux dire père et fils et fille bien sûr. Et ça montre bien que le Douaisis est une terre de logistique aujourd'hui, avec les différents parcs d'activité et ce superbe bâtiment qui a été construit par GSE, qui est un professionnel véritablement de la logistique. Le groupe Bills a fait ses preuves et continue à les faire, donc il n'y a pas de souci sur la pérennité. C'est une très belle réalisation, ça répond à la demande actuelle, c'est très bien situé, très bien desservi. Et puis la réhabilitation d'une friche comme ça, je crois que ça rentre vraiment dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui au regard de la durabilité. On est vraiment dans le schéma de la façon de porter les choses actuelles. L'initiative d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'abord, une implantation sur une friche, le président de la Chambre d'agriculture tout à l'heure l'a rappelé, c'est au lieu de consommer des terres à blé et autres, là, ce qui est remarquable dans tous les projets de la Maison Ville, c'est qu'ils se sont toujours installés sur des terrils, sur des zones qui étaient à l'abandon. Et ça, c'est admirable. Admirable, ce site l'est bien évidemment. Saint-Roger est une plateforme polyvalente, comme nous le démontre Jimmy Bills, en guise de conclusion. Cette plateforme est exceptionnelle à plusieurs titres. De par sa taille, bien sûr, puisque l'entrepôt a une surface de 75 000 m² sur une hauteur utile de 12 mètres et sur un terrain d'une superficie de 26 hectares entouré de verdure et d'eau. De par sa fonctionnalité, puisque nous avons reconstruit en face de l'entrepôt une zone transport multiservice comprenant un atelier poids lourd, une station de lavage poids lourd, une station gasoil, un parking poids lourd de 150 places et enfin un port sec permettant le stockage et la manutention de conteneurs maritimes 20 pieds ou 40 pieds. En conclusion, cet investissement de plus de 35 millions d'euros va permettre à Jiffy de continuer son développement en disposant d'un outil logistique capacitaire et va permettre à notre société d'accompagner Jiffy dans sa logistique, mais aussi d'autres clients qui nous ont rejoints sur ce site d'ailleurs et sur d'autres entrepôts Simastock de la région. Vu la réussite de ce projet et le marché de la logistique toujours porteur, notre objectif est de développer d'autres plateformes dans la région et en France ces prochaines années.